Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne TechHelp. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour toutes ceux et celles qui ont un problème d'image inversée, donc qui se retrouvent avec un PC avec une image qui est totalement inversée, comme là. Hein. J'ai la barre d'outils hein, qui est en haut, alors qu'elle devrait être en bas, et j'ai vraiment tout qui est inversé. Donc c'est pas compliqué, c'est juste un déparamétrage basique. Généralement c'est quand on nettoie son clavier ou autre avec le PC allumé. On va appuyer sur une combinaison de touches qui va faire que bah, votre image va s'inverser. Donc, pour ceux dont le paramétrage est bon, donc moi j'ai désactivé, mais c'est pour vous montrer, vous avez simplement à appuyer sur CTRL, Alt et les flèches, donc en haut ou en bas, vous restez appuyé, hein, bien entendu. Et là, vous pouvez récupérer un écran qui va repivoter. Si ça ne fonctionne pas, il y a toujours la touche CTRL Alt GR, donc celle-là qui est là, celle-là qui est là. Et on fait pareil, petite flèche en haut, petite flèche en bas, ou à droite ou à gauche. Si ça ne fonctionne pas là, comme sur ce PC-là, ce n'est pas très grave. Donc, vous allez aller sur la barre Cortana en bas, hein. Enfin, du coup en haut. Hop, du coup, le pavé tactile est inversé puisqu'il se met en fonction hein, de l'écran. Vous cliquez hop, et vous tapez affichage. Voilà. Donc là, vous allez avoir, hop, comme on peut du coup voir ici, c'est écrit modifier l'affichage principal. Donc, vous cliquez dessus. On valide. Vous avez directement la page hein, dans le paramétrage qui s'ouvre. Hop, là, vous allez descendre. Donc, quand on n'a pas l'habitude d'avoir clavier inversé, ça peut être assez gênant. Et vous allez avoir orientation de l'affichage. Donc là, ce que je vais faire, hop, je clique dessus et je remets en paysage. Et je fais conserver. Et voilà, du coup, j'ai l'écran qui est redevenu hop là, à sa bonne place. Donc là, je vais vous refaire voir par un autre passage. Donc, vous cliquez en bas, hein, ici, paramètres. Vous pouvez aller dans système, directement affichage ici. Et pareil, vous l'avez aussi ici. Donc bah c'est pas une grosse panne, mais bon, quand c'est pas le chemin pour bah, pouvoir rétablir une image bah, dans le bon sens, ça peut être sacrément galère. Donc bah cette vidéo t'a aidé, bah je t'invite à me mettre un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas à t'abonner. À plus tard.